tous, bonsoir et bienvenue dans un magnifique live. J'ai foiré ma transition, mais bon, c'est pas grave. C'est un magnifique live ce soir sur Homecy 2. Alors, si vous connaissez un petit peu Homecy, vous savez que c'est absolument la galère à lancer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on commence. Qu'il y a eu beaucoup de tondeuses en fait. On a passé beaucoup de temps à tondre la pelouse de la colline aujourd'hui parce que en fait je n'ai même pas. Enfin, je pensais que c'était bon, mais le jeu vient de planter, donc je le relance. Formidable. Donc Homecy, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu de simulation de transport en commun, alors bus à la base. Et là, on va jouer sur une extension qui fait aussi tramway. J'essaye de passer sur la scène du jeu, mais bon, bien sûr, ça va pas marcher. Si j'essaye celui-là, non. Ok. Alors. Ah, c'est bon, il m'a trouvé. Waouh, incroyable. Alors. Mon tramway a des pop et on est dans le souterrain, c'est bien, c'est waouh, c'est bugué. Génial. Alors, je vais essayer. Je vais essayer de mettre mon tram. Donc, c'est une partie qui se passe à Berlin, ce jeu de qualité. Exactement. J'ai l'impression qu'en plus, c'est complètement bugué l'affichage pour vous. Ouais, effectivement. Ouf. La souris, attends, je vais essayer de faire un truc mieux que ça quand même. Bah pourquoi ça me fait ça? Capturer fenêtre spécifique. Ah ouais. Bon, attends, si je fais carrément mon écran, voilà. Ce sera plus simple comme ça, hein. Parce que en fait ça rouvre des fenêtres à chaque fois aussi, alors c'est un peu chiant. Alors moi il va me falloir un tram, alors si on parle bien allemand, Deutsche Qualität Straßenbahn, ja. Donc eine Straßenbahn. Patientez s'il vous plaît. Alors oui, il faut beaucoup patienter avec ce jeu et j'aime pas du tout quand il y a la petite molette qui s'affiche comme ça là. Bisking nous rejoint en haut de la colline, bienvenue. Tu gravis la colline, incroyable. Ouais, félicitations. Faudrait que je rajoute un caillou alors. Ah merde, je me suis trompé de dépôt. Bon. Normalement ça devrait marcher quand même. J'espère. La lenteur de ce jeu, c'est un truc de fou. Voilà pourquoi je voulais le lancer en amont, mais que. Ben, ça a pas trop marché, mais une fois que c'est parti, c'est parti. Et en fait, ce qui est pas mal avec ce jeu, c'est que c'est plutôt réaliste. En fait, pas dans les graphismes, mais dans la conduite, notamment des bus. C'est super réaliste. Sur le tram, bon, c'est des tramways allemands, donc je sais pas trop, mais je trouve qu'ils freinent quand même vachement fort. Où est-ce qu'il nous a mis là? Ah oui, d'accord. Bon, attendez, on va essayer de. Nouveau jeu. Parce qu'il aime pas. Il arrive pas à se TP le tram. Donc, charger une nouvelle partie. À 10h. Parce qu'à 10h il fait à peu près beau. Et il y a un service qui part à 10h07. Donc ce sera pas mal. Oui, donc je disais, la conduite bus est plutôt réaliste. Donc c'est assez sympa.
Et même toutes les interactions qu'il y a dans les bus, c'est plutôt bien fait. Surtout les sons, je trouve, ils sont très bien représentés. Bon, forcément, les gens ils parlent allemand vu que c'est un truc allemand, mais bon. Waouh, le tram multicolore, c'est parfait. Bon, je croise les doigts pour que ça ne plante pas. Hein. Je vais essayer de d'honorer le titre putaclic de tramway en Y. J'ai ma petite idée. Il y a plus de chargement que de gameplay. Bon, ah, ça va sur. Oh putain, j'aime pas quand ça fait la petite. Sur un stream de 1 heure et quelques, on devrait s'en sortir. Ok. Putain, il me parle allemand le truc, mais littéralement quoi. Littéralement allemand, lol. Bah c'est génial ça. Ok. J'ai l'impression que ça a marché. Alors par contre, on va falloir que je change de côté pour partir dans le bon sens. Voilà. Je vais arriver. Hein. Ok. Donc voici notre magnifique tramway. Là, on est dans le dépôt. Donc on va le démarrer. Pour le démarrer, on va mettre la batterie. S'il veut bien. Oh, il n'y a rien qui marche, c'est un truc de fou. Scheiße. Attends, j'essaie de le démarrer depuis ce côté-là. Là de ce côté-là, ça marche. Alors le meilleur, c'est bien sûr qu'on peut faire. Ah mais attends, je vous ai pas mis le son. Voilà. Faut que je mette un peu plus fort. Voilà. Ouais, on peut faire dring dring. J'ai l'impression de voir un logiciel de modélisation 3D type SolidWorks. Ouais, un peu. Mais c'est ça que c'est bon. Hein. Surtout que je passe à travers le sol à chaque fois, c'est pratique pour la maintenance, remarque, t'as pas besoin de voie sur fosse. Bon, alors. Est-ce que ça a marché là? Oui! Incroyable. Alors on passe à 20 km sur les aiguilles, nous on est comme ça. Ok, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une mission. Donc on est sur la ligne 107. Début à 10h15 à Glerke au parfait. Oui parce que du coup vu que j'ai mis l'écran comme ça, je vais pouvoir vous passer le plan de la ligne. Donc voici le plan de la ligne. Incroyable. Il n'y a plus de budget pour les graphismes. Salut Serpio. Ouais. Du coup, nous, on est la ligne 107, donc en bleu. Donc, on va partir de Gelenkirchen Central Station. Enfin, bon, c'est Hauptbahnhof, mais c'est que là, il est en anglais le truc. Et on va à Kettenhornberg. Et nous, on est au dépôt, là. Donc, faut qu'on aille jusqu'à Gelenkirchen et qu'on reparte dans l'autre sens. Donc, c'est parti. Hop là. Je vais essayer de configurer l'Ibis. Alors je ne garantis pas. Hein. Alors je crois que c'est 107.00. Route, on va mettre 1. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est le bon qui s'est affiché. Shift Y pour avoir l'affichage en haut. Y a plus de budget dès le début, non, mais il n'y a jamais eu. Enfin, mais c'est vieux comme jeu, hein, donc faut pas trop leur en demander non plus. Hein.
un accent allemand tellement de qualité, y'a. Alors, fun fact, j'ai fait allemand du coup, collège et au lycée. Donc là, le 1, c'est pour dire 10 km/h. Donc je vais à 10 km/h. Et du coup, j'ai fait allemand au collège et au lycée. Et quand je suis allé en Allemagne, on me disait que j'avais un accent du sud de l'Allemagne. Donc c'est comme si genre, tu apprenais le français. Et au lieu d'avoir, je sais pas, voilà, un Allemand qui apprendrait le français, ça ferait Bonjour, je m'appelle Jean-Michel. Voilà. Et c'est aussi au lieu de parler comme ça, il disait Bonjour. Attends, comment je peux faire l'accent mixé allemand et mixé sud de la France? Bref, imaginez et voilà. Essayez de voir ce que ça donne. Alors, c'est bien, j'en profite tant que le feu est vert. Je peux même mettre mon clignotant. Donc en prenant mon service, j'ai les girouettes qui se sont configurées et les afficheurs intérieurs aussi. Ah, avec mon tramway multicolore, je savais même pas qu'il y avait un tram comme ça. Bon, ça m'a l'air vert encore là. Alors vous serez surpris de savoir qu'on peut passer un virage comme ça à 30 km/h avec un tram. Ça doit secouer un peu, mais bon. C'est une mauvaise qualité ce mélange. Ben, je sais pas, écoute. Qui es-tu pour juger au pire? Alors, moi, faut que j'aille tout droit. Ah oui, je vous ai pas mis les. Parce que j'ai géré un peu déjà, donc c'est pour ça que je sais où faut aller. Mais je vais mettre les petites flèches comme ça, on saura. M'avance parce qu'on sait jamais, mais je crois qu'ils sont pas à détection ceux-là. Donc là, il est 10h06, donc ça me laisse 10 minutes pour aller jusqu'au terminus, faire demi-tour et revenir. Je vais l'acheter ce jeu. Je l'ai pas acheté. Et bien sûr, faut l'acheter sur Steam. Je prendrai tous les DLC. En vrai, c'est extrêmement buggé, mais par contre, ce qui est pas mal, c'est que c'est un jeu qu'on peut modder à fond. Donc, tu peux rajouter des véhicules, des skins, des bordels dans tous les sens. C'est vraiment pas mal. Bon, par contre, c'est les feux les plus longs du monde. Alors, faut savoir que, ouais, du coup, en Allemagne, le tram, c'est pas, il est pas forcément, enfin, c'est pas comme en France où il est prioritaire partout. C'est en fait il est. Bon, il est dans la circulation générale, donc il est pas prioritaire au feu par exemple. Bon, je vais monter jusqu'à 30 parce que sinon on va jamais être à l'heure. Encore faudrait-il que les feux passent au vertical. Bah, tu peux le craquer. Je pense que c'est pas trop compliqué. Oh mon dieu, cette camionnette Polizei. Ça vous donne une idée de l'âge du jeu. Bah, pareil pour les autres bagnoles d'ailleurs. Hein. Ça fait très années 90 quand même. C'est bien, j'ai deux conducteurs du coup, un à l'avant, à l'arrière. J'ai l'impression qu'il m'a pas. Parce qu'il me met une annonce pour aller tout droit, mais. Bon, allô PC. Ah, bah c'est bon, il passe à. Je suis bloqué à l'horizontale. C'est pareil, ils disent 20 km/h sur ce genre de virage. Ça me paraît rapide quand même. Hein. Attention, madame. Et le petit L, ça veut dire faites dring dring. Et alors dans le tunnel, va pas leur faire falloir faire de la merde avec les vitesses, parce que donc dans le tunnel dans lequel on va rentrer, c'est du contrôle comme si c'était un train en fait. Du coup, si tu vas trop vite, ça te fait un fût. Très logique, comme ça tu peux aller d'un côté et de l'autre en même temps. Mais ouais.
En vrai, petit coup de stress, je regardais pas le feu. Je vais pas faire comme un certain streamer de la cave qui rate ses stations quand il joue à Train Sim World. Alors là, je vais me méfier parce qu'à chaque fois que j'arrive à 30, il me fait un fût, donc je vais plutôt passer à 20. C'est tout à fait possible de mettre quelqu'un dans de chaque bout du tramway pour repartir plus vite au terminus, hein. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils font dans le métro parisien les lignes qui sont pas automatiques. Au terminus, en heure de pointe, t'as deux conducteurs parce qu'ils sont gigantesques les métros parisiens. Donc, t'as un conducteur qui conduit, qui arrive en fond de tiroir, il descend du métro. Il fait dring pour dire à son collègue de l'autre côté que c'est bon, il peut partir. Bon, là on peut aller à 70. Et du coup, bah, le collègue peut changer de l'autre côté, peut monter et repartir directement. Bon, alors le tramway est théoriquement limité à 50, hein, mais bon, on va aller jusqu'à 70. Parce que là, il nous reste moins de 5 minutes pour arriver au bout là-bas et repartir dans l'autre sens. Oui, il y a des petits temps de chargement au milieu parce que il charge les tuiles. Alors là, par contre, je vais ralentir pour le prochain feu. Il faut ralentir à 40. Oui, je vous ai pas montré le. Mais il y avait un petit signal qui nous disait qu'il passait au jaune. Du coup, c'est un vert, un jaune. Bon, on les voit pas très bien, hein, mais il faut passer à 40. Je vais me ralentir à 30 pour l'entrée en station. Donc, moi je continue parce que j'ai pas de voyageurs. Et donc là, je sais pas qui est le génie qui a eu l'idée de faire ça, mais. Mais c'est une très bonne idée. Donc c'est le moment où nous allons mettre le tramway en Y, littéralement. Parce que bon, donc de base dans le jeu, normalement tu t'arrêtes ici. Sur un fond de tiroir là. Mais pour éviter d'avoir à te changer de loge, parce que si tu dois changer de côté dans le jeu là, il faut quitter ta mission en cours, donc c'est chiant. Du coup, il y en a un qui a fait une boucle de retournement à l'arrache au bout de la ligne. Donc c'est le moment où on met le tramway en Y. La taille de la boucle de retournement. Voilà, attends, je vais faire la pause pour la miniature. Voilà. Tramway en Y. salut Alissandre. Ah ouais, d'accord, en fait il n'y a qu'un seul côté le conducteur. C'est juste bugué. Ah tiens, j'ai laissé mon clignot depuis tout à l'heure. Voilà. Bon, il nous reste 2 minutes 30 pour être au quai de départ. Voilà, donc j'ai respecté la promesse du titre, j'ai mis le tramway en Y. Oui, je suis content de ma connerie. Donc il y a un feu et après on retient la limitation de vitesse, c'est 50. Alors, peut y avoir un petit A qui s'affiche en haut des feux. C'est l'annonce. Mais là, c'est juste. Il y a une tempo entre ce feu-là et ce feu-là. Donc, on va attendre. Hein. Dans ce temps-là, on peut visiter, non? ouais. Pendant ce temps-là, je vais allumer les lumières du tramway, si j'y arrive. Ok, de ce côté-là, on n'y arrive pas. Bon bah tant pis, il fera tout noir dans le tram. Ok, c'est vertical. On est parti. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous faire l'affront de vous expliquer comment ça marche les signaux du tram. Hein. Vous avez tous compris.
Et donc, il faut qu'on s'arrête au petit H. Pour Haltestelle. Oui. On ouvre les portes. Il y a le panneau qui clignote. Oh là là, le train va partir. Je sais pas s'il faut que je passe le. Heinrich König Platz. Ausstieg rechts. Ok, j'ai passé le truc, j'aurais peut-être pas dû, mais. Je suis déjà à l'arrêt suivant. Je sais pas si je peux remonter. Bon, je vais pas toucher parce qu'à chaque fois ça me fait de la merde sinon. Heinrich König Platz. Heinrich König Platz. Ausstieg rechts. Musiktheater Gelsenkirchen. Ok, bon bah on y go alors. Ils sont pas pressés, bah écoute, ils vont se démerder. Hein. Mais des fois c'est un peu buggé. Ou alors c'est juste que j'ai pas pris le service, tu vois. Là il me dit 10h43, le précédent c'était 10h15. Hop là, parfait. Non, il veut pas. C'est génial. On va y arriver, hein. Celui-là, il veut pas, pétain, bah dis donc. Soixante-dix kilomètres heure, ouhou! Ça va vite, 70 en tram. Hein. Le jeu qui n'a pas le temps de charger les tuiles. Là c'est encore 70 et lui il est jaune donc ça veut dire que le prochain c'est 40. Donc on va se coller à 40. C'est quoi que j'ai allumé là? Ah bah bravo. J'ai réutilisé les machins. Donc là il y a deux petits H, mais c'est qu'il y a des rames qui sont plus longs que d'autres, donc moi je vais me mettre celui qui est le plus debout. Enfin bon à peu près quoi. Alors, attendez, je vais essayer de régler mon problème de ligne là quand même. Non bah, c'est le 2 qu'il faut que je prenne. Le 3 c'est quoi? D'accord. Moi faut que je parte de Gelsenkirchen là. Et Musiktheater. Bon il veut pas. Hein. Ok, alors là, je l'ai récupéré. Heinrich König Platz. Ausstieg rechts. Bon, on va dire que c'est ok. Mais je sais pas pourquoi il veut pas affecter le service.
C'est une idée à 30. À 20. Je sais pas qui est le génie qui a eu l'idée de faire ça. Alors oui, les développeurs se sont très bien démerdés, c'est-à-dire que tu te tapes une pente à 20% et t'as pas besoin d'accélérer. C'est génial, non? Je sais pas qui c'est qui a inventé ça, mais... Musiktheater Gelsenkirchen. Ouais. Bon, il y a vraiment un bug avec le... J'essaye de retrouver la bonne girouette. Overwegstraße. Faut le comprendre ce jeu, hein, des fois. Ouais. Nique sa mère. Ok. Donc là, on va à gauche, normalement. Savoir quel problème. C'est qu'on n'est pas dans le bon sens, il aime pas trop. Oh, ces feux qui durent 30 ans là, ça me gonfle. Ah, puis c'est pas le bon qui pèse, bien sûr.
attention, monsieur. Bon, 50, là, ça va tracer. Sauf que je vois que le feu est rouge. Ça va pas tracer très longtemps. J'ai réussi hier à faire marcher le truc, mais alors là... Là, il a pas l'air d'être d'accord. Je sais pas qui a inventé les feux qui arrêtent les trams là, mais... Il y a un feu pour chaque destination, pour tourner à droite, pour tourner à gauche, pour aller tout droit. Ça, je sais pas vous, mais moi les feux, ça m'en fout. Allez, oui, c'est à nous. Pas fait un frein d'urgence, hein, bien sûr. Bon, forcément, vu que mon truc est pas configuré, ils vont pas monter. Ouais, un feu vert. Puis là c'est pareil, ça descend, mais on n'accélère pas quand on descend. C'est pas très intuitif du coup, parce qu'il faut freiner à donf alors que t'es en train de monter. Je vais essayer un truc. Je vais sauvegarder celle-là. Et je vais essayer d'en faire une nouvelle. Parce qu'en fait, mon idée, c'est que si ça marche pas, c'est parce qu'on n'est pas dans la bonne loge. Enfin, on n'est pas du bon côté du tram. Donc on va essayer de popper pas dans le dépôt, mais là. Comme ça on pourra se mettre du bon côté. Maintenant que le jeu est chaud, ça devrait aller un peu plus vite sur les chargements. Je dis bien, normalement. Je suis allé un peu vite pour lui. Je sais pas ce qu'était le celui qu'on avait tout à l'heure, qui était sympa. On va dire que celui-là il est correct.
très rapide. Ah, voilà. Bon, là, ça devrait aller beaucoup mieux. Parce que du coup, je suis du bon côté. Je vais essayer ligne 107. Hop. Ok. Je vais essayer de configurer ça. Ok. Bon, on se refait ce qu'on vient de faire, mais en grillant tous les feux et plein de balles. J'espère que ça fait pas dérailler. Au pire, on va bien voir. Le virage à 50. Ça a l'air d'aller. Le truc improbable. À 60 au lieu de 30. Bon bah voilà, il n'y a aucune raison d'être en retard les chauffeurs de tram là. Ah, j'ai fait dring dring, hein, voilà. Ah, l'aiguillage à 60, je suis un peu moins sûr. Putain, on dirait qu'on est en accéléré quoi. Alors il y a juste sur les... voilà. Sur les petits trucs jaunes là qui sont à travers des rails, faut que j'évite de passer trop vite. Parce que il détecte la vitesse. Et si tu passes trop vite dessus, ben, ça te fait un frein d'urgence et après c'est chiant pour repartir. C'est vous, je suis pressé, j'ai mon gosse à aller chercher. Oui, drink time. Bon, là, 70, on va pas s'en priver. Hein. Je vais allumer les lumières de la salle. Je parle pas de gens. Hein. Du coup, on va voir ce que ça donne si on passe le tramway en Y plein de balles. Plein de balles. Oui. Ah bah ça c'était du demi-tour. Putain. Bon là on va pouvoir se calmer un peu. Attends, je sais plus que ce que c'était la vitesse. Je crois que c'est 50. On voit qu'ils réagissent très très bien les trams quand même, hein, ce jeu. Hop là. Du coup, on est 9 minutes en avance, et bah c'est parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Hop là. Départ dans une minute.
Hop là, bah on part toujours 10 secondes en retard parce que sinon les gens ils disent il est parti en avance. Allez, on est reparti. Cette fois-ci avec tout qui fonctionne parfaitement. Bien sûr, je dis ça au moment où le jeu est en train de planter. Oh, nique sa mère. Je crois qu'il a vraiment planté en plus. Oh l'enfer. Bon. Attends, c'est quoi là que j'ai mis? Ok. Génial. C'est pas grave, on va partir sur autre chose, hein, du coup, parce que là, le truc qui plante 3 fois. Je me doutais bien que c'était une idée de merde de faire un live là-dessus. Ah, faire un petit tour sur Train Sim World. Et on fera pas comme le Brovinus, on va pas oublier de s'arrêter dans les gares. Alors, j'ai dit quoi? Train Sim World. C'est comme si c'est de la merde. Alors, je vous mets dans un instant. Hein. Salut Finus! Tiens! Quand on parle du loup. Je disais justement que comme Homsi ça me saoulait, je décalais sur Train Sim World et que j'essayais d'aller de pas rater des gares, comme certaines personnes. Alors, est-ce que ça va marcher? Enfin, j'espère surtout que ça va rouler. Train Sim World, premier du nom. J'ai pas le 2. Et c'est où Train Sim World? Ouais. Non, j'ai pas le TGV, mais bon, comme j'ai pas fini, quelle ligne on fait? Alors certainement pas celle de la CSX parce que c'est vraiment beaucoup trop chiant. Je sais plus où j'en suis là-dedans. Je pense que j'ai dû pas mal le sécher. Ouais, mais ça, on s'arrête pas, c'est pas rigolo. Je ferais bien un Transpenny. Conducteur 2AD, voilà. Parfait, ça va être l'enfer. Ça va faire comme le tram, mais on va être à la bourre. Et ça va être la conduite, ça va être quelque chose. Donc là, on part sur un véhicule type ancien. Parce que donc dans ce jeu, cette ligne-là, ça se passe dans les années 80. 1980 et bon l'Angleterre dans les années 80 ils avaient vraiment du vieux matos quoi et donc c'est des trains où faut passer les vitesses. Voilà, je sais pas si vous avez bien assimilé le concept là, un train quoi, où faut passer les vitesses. Bon, les Britanniques quoi, hein. Ils avaient toujours des super idées. Enfin, bon. Faut savoir qu'en France, on a eu aussi pas mal d'autorails bah avec des transmissions mécaniques. Alors, je sais pas si c'était vraiment des boîtes de vitesse ou autre chose. Alors, déverrouiller les portes. Alors, déjà, je sais plus comment on joue. Ok.
Donc pour déverrouiller les portes, on va faire comme ça. Je vais leur allumer les lumières à l'arrière là. Hop. Je vais allumer les phares du train. Feu de gabarit. Blanc, blanc. Et on va où? À Leeds. Ok, donc je vais passer la girouette là à Leeds. Et comme sinon on va être à la bourre, je vais rester. Je vais rester dans cette cabine là. Alors attends, je sais plus comment on fait. Secteur de vitesse. Faut que je passe en première vitesse. Un vecteur, marche avant. Marche avant. Et alors, je sais plus comment. Merde. Je vais y arriver. Hein. Secteur de vitesse, ok, c'est comme ça. Ok, et donc, faut peut-être que je desserre les freins. Ouais. Est-ce que les moteurs sont démarrés au moins? Non, même pas. Oh l'enfer. Bon, c'est bien en avance parce que ça descend. Alors, pour démarrer les moteurs, comment on fait déjà? On s'en peut le mettre. Ouais, c'est la galère. Inverseur. Marche avant. Je sais plus comment on fait pour démarrer. Ça, c'est l'essuie-glace. Ça, c'est le store. Génial. C'est pas là le moteur? Non. Bon, je vais pas griller de signal, tout va bien. Ah, c'est là. Démarrage moteur. Je sais qu'il y a une manip à faire, mais... Ah, je crois qu'on va repartir en arrière. Clé du circuit de commande activée, ouais, ça pourrait être déjà bien. Ouais. Ah voilà. Ah bah en fait c'était démarré, c'est juste que j'avais pas activé la commande. Bravo! Voilà. On va pouvoir desserrer le frein. Et avancer. Ouais, on est parti. Je vais éviter de trop accélérer. Putain, avec la neige en plus, génial. Bon alors il me dit que ça passe. Moi je vois le signal rouge, hein. Là tu vas avoir du retard. Non. Un chouïa. Surtout que ça monte là sur cette portion de ligne. N'empêche, ça doit être le train le moins confortable du monde pour les voyageurs. Plein gaz. Bon, 10 secondes pour faire 1,8 km. C'est parfait ça. Y a pas de. Il n'y a pas d'essuie-glace par intermittence en plus.
C'est dommage avec la cam, on voit pas les indiquer. Ah oui, d'accord. Oui. C'est bien comme ça, t'as l'impression que je joue RP et que je sais tout parfaitement. Alors faut que je bouge ma caméra. Alors comment je fais caméra? Zoup, je vais me mettre par là. Voilà. Voilà. Ah, il faut que je vire le, faut que je bouge le chaise aussi. Hop là. Voilà. Parfait. Alors, dans 700 mètres, il faut être à 30 km heure. Donc on va commencer par mettre le frein au neutre. Bon après, c'est vrai que ça monte, alors j'aurais peut-être pu... On va rester à 30, hein. Je pense qu'on est déjà assez en retard comme ça. On est plus après. Alors c'est vraiment un enfer parce que du coup comme je joue au clavier, pour le frein en fait comme c'est un robinet, c'est vraiment la galère. Enfin même à l'époque ça devait être la galère. Ah si tu veux bouffer de la plaquette de frein, il n'y a rien de mieux, remarque. Hein. Parce qu'il faut savoir que sur les trains électriques modernes, le freinage se fait en électrique. Donc bon bah t'as, je sais pas, le frein il freine sur ses plaquettes. Peut-être les 200 derniers mètres quoi, mais là dès que je freine, paf, ça bouffe les plaquettes quoi. Bon, je garantis pas la précision de l'arrêt, hein. Ok, effectivement, j'étais un petit peu généreux sur le freinage. Enfin, sur le non-freinage du coup. Alors, faut que je repasse la vitesse 1. Alors moi, j'ai ma petite astuce avec ces trains, c'est que je laisse le moteur un peu tourner là, avec l'embrayage là, c'est comme les mecs au feu rouge, tu sais, qui n'utilisent pas le frein, qui bouffent leur embrayage là. Et hop, juste avant que ça passe, je desserre. Et là, le train va redémarrer tout seul. Et les portes vont se fermer toutes seules. Et là, on est bon. Et là, comme ça, on est reparti super vite. Ok, 80 km heure dans 100 mètres. Comme ça, on ne s'arrête pas d'accélérer. Ah merde, je dois repasser trop vite la vitesse. Et donc on a deux aiguilles pour les moteurs parce que bah on a deux moteurs à chaque fois. Oh merde. Je crois que c'était 80, voilà. Putain, je me suis fait surprendre par l'accélération fulgurante de ce bolide. De toute façon, on s'arrête dans 700 mètres. Alors, petit pouet pouet. Ok, je remets le frein au neutre. On s'arrête dans 500 mètres, j'arrête d'accélérer. 400 mètres, je vais commencer à freiner. Ok. Bah heureusement qu'on a le point qui nous dit où est la gare, hein, parce que sinon, la galère.
Alors c'est pas comme les trains de la MTA où tu peux freiner. T'es à 70 en arrivant en gare, ça pose pas de problème. Là, si t'essayes, un peu chaud quand même. Mais bon, après, le jeu, ils te mettent des points d'arrêt très précis, mais en vrai, je pense que dans la vraie vie, t'es conducteur, tu fais juste en sorte de t'arrêter sur le quai, quoi. Enfin, moi, perso, j'irais m'arrêter plutôt au bout du quai, d'ailleurs, qu'au milieu du quai. Là, je desserre. Comme ça, mon train repart tout seul. Et hop! On est bardé. Ça dépend des trains et des quais. Ouais. Mais bah comme tu sais, là, sur Train Sim World 2, quand tu prends le TGV, ça te met. Enfin, t'as des petits panneaux TGV 1, TGV 2, quoi. Donc, ça dépend du nombre de rames que t'as. Voilà, et mais du coup faut s'arrêter au panneau plutôt qu'au pifomètre au milieu du quai parce que là ils te mettent un objectif bien précis dans Train Sim World mais en vrai tu pourrais t'arrêter sur 100 mètres d'écart quoi, t'as pas forcément besoin d'être super précis. Mais bon l'Angleterre c'est un peu la bonne franquette hein, là. On s'arrête dans 6 km la prochaine fois. Oh. Il faut qu'on y soit dans 3 minutes, bah dis donc. Je pense que c'est compromis. Hein. Alors déjà les temps de parcours sont infaisables, alors là en plus je suis en retard, alors laisse tomber. J'avais 2 minutes 30 de retard sur le précédent. Puis comme ça accélère pas. Pouette, pouette. Du coup, j'ai pas eu le temps d'aller mettre ma girouette et mes phares de l'autre côté. Donc, bah, tant pis. Ok, dans 2,4 km, il faudra qu'on réduise la vitesse à 80 km/h. Ça va, on a le temps de le voir venir. Tu peux aller les mettre en marche? Non, moyen. Non, en plus, comme je suis en unité double, je peux pas passer entre les deux rames. Donc je peux même pas, même si je voulais. Est-ce qu'on peut pas passer à travers le pare-brise? C'est vrai que c'est une ligne qui est plus agréable à faire avec la grosse locomotive là. Parce qu'en autorail, bon. C'est étonnant d'ailleurs que l'autorail se traîne plus qu'une locomotive, enfin qu'un train avec une loco et des voitures. Ok. 80 dans 500 mètres. Je vais mettre un petit coup de frein, mais comme ça monte, globalement ça va. Poète, poète. Ok. Bon bah dans 10 secondes on est officiellement en retard. Ça va, on s'en sort mieux que ce que je pensais. Bon le 121 km/h dans 2,8 km, n'y comptez pas trop. Hein. Parce qu'on sera tout juste en train de repartir de station. Je crois que c'est juste un bout où on passe sur la ligne principale, mais sinon...
dans 1,5 km. En même temps, ça monte un peu, donc je vais rester à 80 jusqu'à 1 km. De toute façon, c'est le genre de train où t'as pas vraiment de frein d'urgence tant que tu actives pas le robinet de frein d'urgence, donc. Ok, alors à 600 mètres, on freine un grand coup. Faut pas qu'on se foire. Ok, là je freine. On est franchement pas mal. Niveau vitesse, alors vous avez la. Merde, faudrait que je vous montre. On a l'indicateur de des freins en bas là. C'est ça qui me permet de savoir à peu près de jauger le frein, pas comme je viens de le faire. Il a un temps de réaction assez long ce train, c'est pour ça. Enfin, c'est un train quoi. Oui, donc je disais en bas de l'écran là à droite, la petite jauge là, c'est la jauge de d'air comprimé dans la conduite principale. Donc c'est ce qui dit s'il y a de l'air ou pas, et du coup s'il n'y a pas d'air, les freins sont serrés. Donc on a 2 minutes 30 à peu près de retard, comme tout à l'heure. Le feu est vert, on est reparti. C'est vrai qu'en première, il accélère bien. Mais après, ça va pas en s'améliorant. Pour les gens derrière, à chaque passage de vitesse, pire qu'un autocar quoi. J'imite bien les passages de vitesse en train, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin bon, j'en sais rien parce que j'ai jamais eu de passage de vitesse en train personnellement. J'adore le pouet-pouet qui résonne quand tu passes dans un tunnel. 24 km/h dans 1,2 km, quoi. Ah mais c'est qu'on doit arriver dans une gare avec des aiguillages. Donc je vais juste rester comme un bourrin en troisième. Voilà. Là, je vais pouvoir arrêter d'accélérer. Alors je repasse toujours la première parce que si j'ai besoin d'un petit coup de gaz en arrivant en gare, c'est bien pratique. Comme je l'ai fait tout à l'heure d'ailleurs. Parce que j'avais trop freiné. Faut qu'on se réarrête dans 900 mètres. Qu'on soit à 24 km/h dans 300. Alors les vitesses sont en miles de base. C'est vrai que moi j'utilise les kilomètres heure, mais du coup vous avez sûrement vu sur le feu, c'était marqué 2. C'est pour 20 miles, pas kilomètres heure. Alors je comprends pas trop pourquoi il nous fait passer à 24 km/h là. Là c'est 15 miles.
Donc là, il fallait qu'on arrive à 28. Donc on a 1 minute 30 de retard déjà. Je pense qu'on va toujours avoir nos 2 minutes 30. De toute façon, c'est impossible de rattraper sur cette ligne. Pour le coup, à la SNCF, c'est un peu mieux. En fait, il y a des vitesses à atteindre pour faire les temps de parcours. Et ces vitesses sont toujours 5 à 10 km en dessous de la vitesse limite autorisée sur les tronçons. Alors que là, si tu roules pas à la vitesse limite, bah t'es à la bourre. Je me demande si c'est pas un poil fort le jeu d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire. Bon alors là, faut pas que je me foire. Parce que si je dépasse, je grille le feu. Les volumes sont bons, ok, je change rien là. Ok. Le feu est passé au vert. Ah, c'est le chef de gare, il nous a vu, il a fait ah, il est bon lui, je passe le feu au vert. Suis pas sûr. Allez, c'est reparti. Je me suis encore enflammé hein, sur la vitesse là. J'ai tendance à confondre entre la vitesse indiquée sur la TH et enfin, la prochaine vitesse du coup qui est là en voie droite et la vitesse limite qui est le petit trait rouge. Bon, je vais en profiter pour passer à la seconde vitesse, comme ça sera fait. Comme ça, dans 60 mètres, on est prêt à remettre les gaz. Enfin, 60 mètres plus la longueur du train, quoi. On met les gaz en plein sous le tunnel, comme ça on intoxique tout le monde. Bon, les gens ont l'air d'aller bien, pas trop froid. C'est vrai que je sais même pas si on peut régler le chauffage, hein, mais. Il y a 10 minutes, je savais pas comment démarrer le train, alors on va pas trop demander. C'était pour les petits cons qui s'amusent à se balader dans les tunnels, hein. C'est une mauvaise idée, ne le faites pas. Vous savez pas pourquoi liser la bête humaine. Le mec a une ref dans toute sa vie. Il faut qu'il la sorte. Waouh, on passe la quatrième. Vroom. Alors j'ai les FPS en haut à droite, je sais pas pourquoi, mais. On fait du 60 FPS alors que je suis en stream, c'est quand même pas mal, hein. Bon, j'ai l'impression que pour vous c'est un peu plus lagui-lagouille, mais c'est tout sur l'essuie-glace. Mais bon, tant que vous avez le pouet-pouet, tout va bien. Le seul critère.
1,6 km. Bon, on fait comme tout à l'heure, on va continuer pleine balle jusqu'à 1 km. Et on freinera, du coup tout à l'heure 600 mètres c'était peut-être un peu tôt. On était à 80. Donc on freinera à 500 mètres. Comme ça on essaiera. Sachant que là on est en remontée. Donc on va freiner un peu mieux. C'est pas comme le tramway de tout à l'heure. Là j'arrête d'accélérer. Je prépare mon freinage. Ok, je mets un grand coup de frein. J'ai bien cassé la vitesse. Je pense que 30 km/h pour arriver en gare, c'est pas mal. Il faut pas s'attendre à du freinage en confort là. C'est frais tout ce que t'as Thierry. Et puis c'est tout. Alors faut que je repasse ma première vitesse. Je desserre un peu le frein. En plus on est en côte là, démarrage en côte, alors faut mettre la patate hein. Donc là on a 3 minutes de retard. Vous voyez, ça va pas en s'améliorant. Hein. Mais bon, tant que ça fait pouet pouet, tout va bien. C'est vrai que du coup on peut pas faire des super plans hein, avec la neige là. Mais... waouh, ça c'est pas mal comme plan. Kilomètres le prochain arrêt. Remarque, je peux peut-être configurer si je fais comme ça là. Peut-être quand je serai arrêté à la prochaine gare. C'est la quatrième en côte. C'est ambitieux. Pas sûr que ça accélère beaucoup. Alors de toute façon, ce train dépasse pas les 110-120 km/h. Quoi. Bon, de toute façon, du train diesel, faut pas en attendre énormément. Hein. C'est un bon couple, mais à haute vitesse. Bof, bof, quoi. Dans la campagne anglaise, c'est joli. Prochain arrêt dans 1,5 km. Bon, j'ai pas encore raté de gare, hein, donc je tiens ma promesse pour l'instant. J'ai pas mis le train en Y par contre, hein, ça va être plus compliqué. On va arriver sur les 1 km, mais comme ça monte, ça va, pas la peine de se presser. Hop, je remets le robinet du frein en neutre.
On a dit qu'on freinait à 500 mètres. Alors je vois que ça monte pas mal. Donc je vais même freiner à 400 par là quoi. Un peu plus tard quoi. Parce que là on est déjà à 70, oui, alors qu'on était à 80 à la base. Salut collègue. Ouais, bon, du coup on s'est arrêté trop tôt, mais finalement trop tard. Je trouve que ça fait moins de bruit aussi quand tu le mets sur deux là le moteur, parce que quand t'es au ralenti, ça. Merde, c'est pas ça qu'il fallait faire. Je suis con. J'ai confondu un peu les touches. Mais bon, c'est pas grave. Puis on n'est pas à ça de retard près, hein. Incroyable. Ça a une bonne bouille quand même, hein. Alors par contre la nuit, ça éclaire que dalle quoi les phares, hein. Je suis désolé mais faut être serein quoi. C'est-à-dire que si t'as quelqu'un ou quelque chose sur ton trajet, tu vois que les feux, hein, t'as une vache sur la route, tu la vois pas. Ouais, ça fait vraiment tout noir si j'éteins quand même. J'arrive pas à passer à la bonne vitesse. Ok. Vous voulez voir un conducteur de train qui s'enjaille? Oh merde, j'ai tout fait bugger. Je suis allé trop vite. Attends, je refais. Voilà. Voilà. Parce qu'il faut que je trouve une autre musique du coup qui va avec le rythme. Parce que si je fais trop vite. Ça fait truc qu'il aime pas. Je peux faire pareil avec la partie voyageur, mais je suis pas sûr qu'il kiffe. Déjà, il me voit faire de la merde là. Ça, c'est le feu, n'empêche les trains où, en tant que voyageur, tu peux voir l'avant. C'est dommage qu'il n'y ait plus ça dans les TER même. Il y a toujours ça dans les tramways, mais bon, c'est moins passionnant. Alors, 72 km/h dans 900 mètres. Après, ça monte pas mal, donc peut-être que ça va le faire. Ouais, moi j'ai confiance. Bout de pare-brise que ça nous fait quoi.
Ouais, c'était vraiment ralentir pour y accélérer là. Ouais, parce qu'on arrive dans le tunnel. Rater l'essuie-glace. C'est vrai que t'avais plutôt pas intérêt d'avoir oublié d'allumer les lumières, parce que sinon. C'est moins drôle. J'imagine les gens à l'autre bout du tunnel qui t'entendent faire pouet-pouet comme ça, comme un taré. Incroyable. Bon, je pense que c'est moins puissant que celui d'un TGV quand même, mais. Vous voyez là on est pleine balle, quatrième vitesse, c'est la vitesse, on peut pas aller plus vite quoi. Et on arrive dans le haut des tours donc. Alors, de toute façon vous voyez ça c'est le compteur de vitesse, il est limité à. Oh merde, je suis trop vite du coup. Il est limité à 70 donc. C'est bien vu que c'est tout droit, on va pouvoir se laisser rouler jusqu'au bout. Je me remets juste à 105 là. Parce que dans 1,8 km, faut qu'on soit à 64 km/h. Ils dépassent pas les 1900 tours les moteurs. C'est le bout du tunnel de Macron là, tu vois. Il est dans le brouillard, on sait pas trop. Mais il y avait un feu vert donc c'est bon. Tous les feux sont au vert. Peut-être, je ne sais point. On va falloir qu'on freine quand même. Quantité de patins de frein que tu bouffes là, juste pour ce freinage quoi. T'imagines, tu passes 300 mètres à freiner. J'aurais peut-être dû freiner un peu plus fort moi. Là, ça fait vite là quand même. De toute façon ça redescend là après je crois. Oh merde, et on s'arrête dans 500 mètres. Putain le con. Pardon. J'avais légèrement oublié le détail du train qu'en fait faut s'arrêter de temps en temps. Parce que c'est un omnibus celui-là alors. Ce que j'aurais bien fait en Allemagne là mais c'était un train qui s'arrêtait jamais donc c'est pas très drôle. Enfin pour vous quoi, c'est 40 minutes de. Oh putain, je sens qu'on va le péter celui-là. Oh. Le feu, le feu, le feu, arrête-toi avant le feu, avant le feu. Ah ouais. Large. Fouf. Bon du coup je les débarque n'importe comment hein, mais on s'en bat les couilles. Ah ouais mais c'est qu'on est en descente de 1%, ok c'est pour ça. Ça. Je me disais ça freinait beaucoup moins bien que tout à l'heure quand on était en montée, bah forcément. Ok. On est reparti.
Alors 105 dans 140 mètres, ah bon. Bon, de toute façon, on a vu qu'on pouvait difficilement les atteindre. Alors, mais l'avantage là, c'est que ça descend, donc on accélère plutôt bien. On va peut-être pouvoir les atteindre, hein, les 105 km/h. Parce que les limitations de vitesse à venir s'affichent 3 ou 4 km à l'avant, je crois. Donc ça veut dire qu'on a un peu le champ libre quand même. Faudra pas oublier de freiner cette fois-ci, non pas à 500 mètres avant, mais bien à 600 mètres, quoi, parce que du coup, vu que ça descend, bah ouais, on va atteindre les 105. Et... je vais m'arrêter d'accélérer parce que sinon, alors on peut pas utiliser le frein moteur non plus, c'est dommage, moi je le ferais bien, mais surtout avec un bon gros diesel, là, tu dois bien pouvoir ralentir hein, avec le frein moteur. Il va même falloir que je mette un coup de frein quoi. Je vais même pas vérifier si c'est pas un frein indépendant. Non. Parce que par exemple sur la même ligne, du coup il y a des plus grosses locomotives. Et en fait on peut freiner avec le frein juste de la locomotive. Et c'est pas mal, ça fait un freinage assez doux. Alors je ralentis pas mal. L'objectif c'est d'être à 60 km/h, environ à 600 mètres de la gare là. Donc il va falloir freiner un peu plus fort. Et là on n'y est pas du tout hein. C'est que en dessous de 50 ça ralentit très très vite après. Ah ouais, là je crois que le quai est tellement petit que même le train il rentre pas en entier hein. Si je m'arrête comme une merde, ça va pas aider. Merde, j'ai fait une capture d'écran. C'était pas volontaire. Ouais, bah je me suis arrêté au milieu, hein, mais il y a une porte à l'avant et deux portes à l'arrière qui sont pas vraiment sur un quai. Ah ouais, du coup je voulais tester, voir si là je pouvais faire ça et ça. Leeds, ouais. Est-ce que là je peux mettre les lumières depuis là? C'est un peu loin. Un peu loin. Bon, tant pis. C'est un peu la magie hein, des portes qui se referment toutes seules, mais... sachez qu'en vrai ça marche, ça peut vraiment marcher comme ça, en tout cas pour les portes voyageurs. Par exemple sur les vieux trains Corail, qui est encore en France, hein, les trains qui sont intercités du coup, maintenant ça s'appelle plus Corail, ça s'appelle les intercités. En fait les portes se ferment s'il n'y a pas de chef de train à bord pour les fermer à la main, avec sa clé là. Les portes se ferment toutes seules quand le train atteint les 15 km/h, parce que c'est la vitesse à laquelle il y a de la pression qui est envoyée dans une conduite d'air comprimé, parce que ce sont des portes à air comprimé. Mais de la même manière les portes se déverrouillent dès que vous êtes en dessous de 15 km/h. Donc si jamais vous prenez un intercité, vous pourrez essayer quand vous arrivez en gare, juste avant que le train s'arrête, vous pouvez essayer d'ouvrir la porte. Alors faut tirer un grand coup dessus hein, pour que ça s'ouvre ces portes là, mais ça peut marcher. Alors je sauvegarde juste un coup.
Bon, après, des fois, vous avez le chef de train qui met sa clé justement avant l'arrêt pour mettre de la pression manuellement dans la conduite pour pas que les portes s'ouvrent avant l'arrêt complet du train. Ce que nous vous rappelons que l'arrêt s'effectue impérativement sur un quai et à l'arrêt. Enfin bon, heureusement le métro c'est pas comme ça parce que t'imagines. Tu pars avec quelqu'un qui est à moitié pas dans la porte. Putain, bah autant tout à l'heure on galérait à accélérer, là c'est nickel, hein. Dans 3 km, faudra passer à 80 km/h. J'aime pas quand il y a de la neige qui s'accumule sur le pare-brise, là c'est. Niveau vision, c'est vraiment l'enfer. Eh bien. Donc dans 2 km, les 80 km/h. Je vais le laisser sur ce niveau freinage là. Alors ce qui est bien avec ce train, c'est que si tu arrives à la station terminus, tu peux arrêter les moteurs aussi avant d'arriver. Bon, il nous reste quelques stations à faire là, quand même. Mine de rien. Là, il est 57 et on est attendu à 31. Ça nous fait une demi-heure de jeu encore. Bon, ça va. Alors, perdre 10 km/h, ça devrait aller. Dans 500 mètres. J'essaye d'atteindre le point d'équilibre parfait avec le freinage. Ah ouais, de toute façon, dans 1 km, il faut qu'on soit à 24 km/h. C'est presque comme s'il fallait qu'on s'arrête. Enfin, de toute façon, 24 km/h dans 1,2 km et 0 dans 1,3, donc. Ah oui, je vois, on arrive. Vénus. Commence pas à envoyer des messages alors qu'on est à 500 mètres de la gare, ça va pas le faire. Je veux pas la rater. Ok, bon, on est allé un peu fort, hein. Prépare tes lives. T'es un quel homme sérieux. Excellent live sur la cave ce soir. Et eh ben écoute, fais ta promo. On dirait moi quand je suis dans le chat de la cave. Bon, 21 h et comme d'habitude. Pourquoi passer à 24 km/h pour prendre l'aiguillage en direct? C'est complètement con. Autant tracer, hein.
là c'est pareil, faut pas que je me foire sur l'arrêt. Parce que sinon le feu derrière il est rouge. Donc, je vais préférer m'arrêter un peu plus tôt que un peu plus tard. Hein. Surtout que le quai est long. Donc, Alors si j'arrive à faire une médaille d'or sur ce trajet, franchement je comprends pas. Remettre la première. C'est toujours 2 minutes de retard. Bah ouais, bah écoute. Il faudrait déjà que je sois à l'arrêt suivant. Donc. Merde, je suis parti fort parce que je pensais que ça allait remonter. Mais... En fait, ça descend. Paraît bizarre de pouvoir accélérer là. J'ai 3 minutes de retard, même plutôt presque 4. Ça complètement con de foutre un aussi gros coup d'accélération pour faire 2 km, mais bon. Ça c'est parce qu'on est à la bourre quoi. Je pense qu'ils ont dû faire les temps de parcours en prenant que les descentes en fait. Ok, 1,5 km. Heure. Donc là ça descend donc je vais freiner assez fort. Que j'essaye de faire, c'est la concentration là, hein, c'est j'essaie de faire l'arrêt au plus juste. Je pense que là on est pas mal, hein. Un peu tôt, ah non, pas mal, pas mal, pas mal. En vrai, la porte c'est juste bien. Ok. On remet un peu de gaz. On desserre à moitié les freins. Donc là j'avais... Ouais, 4 minutes de retard quoi.
est reparti. Bon, je doute qu'on puisse adhérer aussi bien avec ce temps. À mon avis, ça aurait été le gros coup de patinoire là au démarrage. Beaucoup de patinage. Je sais même pas s'il y a du sablage sur ce train. Donc, l'arc jaune, on passe la vitesse, on perd pas de temps. Tandis qu'on voit toujours rien devant. Hein. C'est. Je conduis à la TH. Hein. Moi, c'est vraiment pire que de conduire un TGV. Je refais une petite sauvegarde. km/h dans 700 mètres. Ah oui, parce qu'on va passer un aiguillage. C'est ce que me disait le panneau. Si on passe un aiguillage, il va falloir freiner en dessous de 80 km/h. Non? Ok. Bah, apparemment non. Même pas besoin de remettre des gaz vu que ça descend. Il va même falloir freiner. Ah, ça va remonter. Est-ce que ça se débrouille pour remonter? On va mettre un coup de gaz parce que je vois que c'est 129 km/h dans 500 mètres. Bon, de toute façon, ça s'arrête en 1,8, donc pas d'affolage non plus. Mais s'il faut qu'on fasse encore 1 km avec 1% de montée, ça va être chaud. Ok, c'est pas le cas. On repasse en mode. On va s'arrêter. Bon, après, c'est vrai que comme je fais tout au clavier, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais quand tu le fais en vrai, je pense, avec ce genre de train, peut-être un peu intuitif au normalement, mais je pense qu'il faut pas mal de pratique quand même. Surtout quand tu vois aussi bien que là, à travers le pare-brise. Été un peu tôt sur le freinage là. C'est pas comme si on avait déjà beaucoup trop de retard. Bon, franchement, 4 minutes pour un train, ça va quoi. Ce serait pour un bus ou un tram, je dis pas. Mais... Alors je pense que cet arrêt, on va complètement le rater. En entrée en gare là. Ah non, ça va, on est même un peu trop tôt, carrément trop tôt même. Bon, c'est pas grave, j'ai lancé le gros freinage d'urgence en me disant merde, finalement ça va. Taquet pour repartir. On a mis les gaz. Et on desserre le frein. Vroom. C'est
accélération fulgurante. Prochain arrêt dans 2,5 km. J'espère que pour le conducteur qu'il fallait pas en plus faire les annonces parce que... L'enfer quoi. Dans le métro londonien, pendant longtemps, c'était le conducteur qui faisait les annonces. Ou qui faisait pas d'ailleurs, parce que je pense qu'au moment on en a ras le cul. Du coup, tu ne fais plus les annonces. Okay. 1,9 km. On essaie d'accélérer tout ce qu'on peut. Parce que donc l'objectif c'est toujours 60 km/h à 600 mètres à peu près de l'arrêt. Tout à l'heure on arrivait à 80 à 1 km, c'était pas mal. Voilà, je comprends rien ce qui se passe là, c'est ok. Technique comme arrêt. Ouais, en fait, dès que t'arrives à fond sur le frein, là, ça commence à bien freiner. On essaie d'accélérer tout ce qu'on peut, c'est ce que dit ses copines. Merci. Merci Minus. Non, c'est. Sauf si ma copine c'est la locomotive, mais. Bon, c'est un arrêt express hein, dans cette gare là. On s'arrête 20 secondes et on repart. Que j'ai raté aucune station encore, hein. Contrairement à certains qui ratent leur deuxième station du S-Bahn. Bon, tu me diras, c'est plus facile de rater une gare quand tu vas un peu plus vite, quoi. Parce que là, bon, on arrive pépouze à 60 km/h à chaque fois. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. En TGV, t'as plus vite fait de rater une gare, disons. De TGV qui s'arrêtent dans une gare dans laquelle ils sont pas censés s'arrêter pour foutre dehors d'un gars qui a pas de masque. Ok, 80 km/h dans 800 mètres, ça devrait le faire.
1 km la prochaine station. Je continue d'accélérer un peu parce que je vois qu'on est à 0,7 en montée. Ok. Robinet de freinage au neutre. J'ai l'impression de piloter un avion de chasse avec ce bordel là. Oula, feu rouge dans 400 mètres. Ça me rassure pas trop ça. C'est-à-dire qu'il faut pas que je rate mon arrêt. C'est vrai que ce qui manque c'est le robinet du frein d'urgence qui marche vraiment sur ce train. Parce que t'arrives sur tes derniers mètres, pouf, tu fous un grand coup de robinet de frein d'urgence, hop, ça t'arrête ton train quoi. Alors, oui, pour les lignes qui passent dans de grosses villes, que tu as 1 km entre chaque gare et que tu montes à 70 km entre les gares, ouais, effectivement, c'est pas. C'est pas ouf. Mais je crois que tu parles du S-Bahn là, et c'est vrai que c'est toute la force des trains allemands aussi de d'avoir. Enfin, ils ont des express, des omnibus, ils ont pas mal de trains et ça marche bien quoi. T'es pas obligé de tout le temps prendre ta bagnole pour aller dans la ville. En fait, c'est très polynucléaire l'Allemagne. Je lisais un bouquin je sais pas, de 2011, ça date un peu, mais bon, c'est pour les modèles de développement des villes, ça marche bien. Ça parle de la périurbanisation, the urban sprawl, yes, in English, you know. Et en fait, comme on parle beaucoup des États-Unis, mais les États-Unis, c'est un pays qui quand ça a fait son étalement urbain, ça, il n'y avait pas d'autres villages aux alentours. Donc c'est les villes qui se sont juste étalées en tache d'huile, du coup. Alors que la France ou l'Allemagne, enfin les pays européens, il y avait déjà des bourgs, des villages, des machins qui existaient. Donc c'est plutôt plein de petites polarités qui se sont créées. Qu'un vrai étalement d'un centre. Bon, je reste en troisième comme un bourrin. Parce que c'est ça que c'est bon. En même temps, comme ça monte pas mal là, vous voyez, on est déjà à 60, donc pas besoin de freiner avant 400 mètres. Ça, c'est la théorie. Il reste combien de gares? Quelques-unes. Je sais pas, j'ai calculé que on a fini dans 10 minutes à peu près. Okay, du coup ça freine bien quand ça monte. Hop là, à gauche. Eh, pas mal l'arrêt là. Bon, en même temps on n'est pas arrivé très vite hein, donc c'était plus facile.
J'ai ouvert mes portes trop tôt, ça a fait bugger les gens. Bah, il reste deux gares. Putain, la neige, c'est pas bon pour le framerate, hein, quand même. Alors, arrivé à 14h22, bah ça vient tomber, et 14h21. Pour faire 5 km, ça me semble parfait, surtout qu'on est en montée là. C'est vrai que je vous ai même pas montré la carte, mais voici la carte de la ligne. Bah, du coup, on est parti de tout l'autre bout là-bas. Je sais pas si c'est par là ou. Ouais, je pense. Ouais, je pense qu'on est parti de là-bas. Et du coup, on fait toute la ligne. C'est vrai que c'est dommage, sur la carte ils mettent pas les noms des gares, ça c'est vraiment un truc que je comprends pas. Parce que là il y a tout ce qui est les triages, etc. Et nous on va jusqu'à Leeds, qui doit être là. Ouais, cette carte est vraiment nulle, oui. Très très nulle. Je sais pas, enfin bon, dans l'absolu, la représentation est pas forcément mauvaise, mais c'est juste qu'il manque des localisants, quoi. Ça pourrait marcher si je connaissais par cœur la ligne, mais là, je travaille pas dessus tous les jours, hein, ils sont gentils. Poète, poète. Meilleur truc, ça. Mec, bien casse-couille. Elles sont pas super complexes, c'est toujours des lignes uniques. Ouais, c'est vrai que ça manque de réticularité. Je sais pas si c'est un mot français, ça. Si, je crois. De réseau, quoi. C'est vrai que ça. Ça manque. On peut caler tout droit, on peut pas prendre des virages ou quoi. C'est un peu dommage. Enfin, il n'y a pas plusieurs destinations possibles, c'est ça que je veux dire. Péter les oreilles là. Ah, on s'arrête dans 900 mètres, d'accord. Bah, c'est bon à savoir. Grand coup de patin. Je crois que j'ai jamais fait toute la ligne en m'arrêtant à tous les arrêts, hein, donc c'est pour ça que je suis un peu surpris. Eh, franchement, pas mal ce dosage du frein là.
faut que je repasse la première. Alors on va repartir pleine balle parce que 0,7% de descente. Allez, vroom. Je passe directement la troisième, je suis sûr. Hein. Parce qu'avec la descente, j'ai confiance. Parfois dans Train Simulator, c'est bizarre, tu as l'impression d'être dans une montée alors que tu es en descente et inversement. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup le ressenti. En même temps, c'est un peu normal parce que les voies, les changements d'inclinaison sont très doux. Donc tu t'en rends pas forcément compte. Puis comme ça monte pas non plus énormément, donc t'as pas la végétation qui change. Puis même avec la vitesse, tu t'en rends pas forcément compte. Donc ouais, c'est vrai que des fois, ça fait un peu bizarre. C'est vrai que ça peut manquer de mouvement de tête ou quand ça monte, tu vois, ta caméra elle se décale un peu comme ça monte et quand ça descend elle se décale un peu comme ça. Je pense que ça pourrait être pas mal, ça pourrait renforcer l'impression de montée-descente. Je crois que ta caméra soit fixe par rapport à l'horizon et pas par rapport à la caisse du véhicule. S'arrêter à Leeds, donc dernier arrêt Leeds à 31, il reste 27 km/h, enfin, 27, n'importe quoi, il est 27, on doit arriver à 31, donc il nous reste 3 minutes, enfin parce que maintenant il est 28. Ok, mais je pense que comme il va falloir qu'on freine pas mal en arrivant à Leeds, ça va, on va toujours être en retard. Mais... Là au dernier arrêt on avait... Ah on a rattrapé un peu, on avait plus que 3 minutes de retard à peu près. Là je laisse rouler. C'est bien parce qu'il y a le tac 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 tac. Parce que ça doit être je sais pas des... Ouais ça doit être des rails de 12 mètres ou enfin de 8 mètres peut-être même. On voit les joints des fois. Ça c'est un train express. Il va légèrement plus vite que nous. km/h dans 2 km. Je vois que les trains, les feux passent au jaune des fois, donc faut que je me méfie de la signalisation. Bon, je dis souvent ça, puis je finis par griller les feux, donc. Ah là là. Bon, j'ai pas fait comme Vinus hein, qui fait les annonces des stations à chaque arrêt. Mais... En même temps, en TGV c'est plus simple, là faudrait que je les fasse en anglais, ce sera un désastre. Ladies and gentlemen, in a few moments our train will enter the Leeds station. Leeds will be the last stop of these trains. Please make sure to take all of your belongings with you before stepping off the train.
We currently travel with 3 minutes delay. We apologize for the inconvenience, but because it's not enough late, you won't have the right to any. Je sais pas comment on dit remboursement, j'allais dire refurbishment, mais je crois que refurbishment c'est recyclage. Donc pas tout à fait pareil. Change for Manchester City. In 10 minutes, track number 12. Refunds, oui, très bien, refunds. Pour remboursement. We hope you've enjoyed the trip in our company. And we wish you a very pleasant day. Ça finit en mode contrôleur SNCF et ça a commencé en mode contrôleur SNCF, ça finit en mode Air France. Leeds, c'est une gare terminus, oui, exactement. Il me semble. Ah non, c'est pas une gare terminus. C'est Manchester qui doit être terminus alors. De l'autre côté. Alors essaye de maintenir 16 km/h avec un train pareil. L'enfer quoi. Là, je maintiens carrément moins pour le coup. C'est que dans 100 mètres, hein, 16 km/h, donc. Ah, puis ça remonte, ok, je pensais que ça descendait. Je sais pas pourquoi il débloque, mais. Quelle horreur, la lenteur du truc. Mais je sais pas ce qu'ils ont les Anglais avec passer à 2 à l'heure sur les aiguillages, franchement ça me rend fou. C'est... Alors si moi quand je conduis ça me rend fou. T'imagines la personne qui est derrière et qui a... Putain, le train il a déjà 3 minutes de retard et en plus il prend sa vie à arriver en station. Mais il fait pouette pouette. Donc je sais pas si ça compense. Ah, je pense que ça va descendre. J'aime pas quand ça descend avec ce train là. Je pense qu'il y a toute une zone de points morts dans le freinage. Ouais, j'ai réussi à faire passer celui-là qu'une seule fois. Incroyable. Alors ça, j'ai jamais trop compris pourquoi les trains français avaient pour consigne de ne pas faire pouet-pouet en arrivant en station. Ah mais c'est un butoir. Putain, j'ai pas intérêt de me louper là. Dit-il en se loupant. Oh putain, bah ça nous a arrêté hein, au moins. J'ai pas vu ce qui s'est passé, mais ça a l'air d'avoir marché. Donc écoute, on va pas s'en plaindre. Hein.
Faire descendre, messieurs, dames. Alors, moi, vous voulez repartir dans l'autre sens, hein. Je sais pas si vous voulez vous balader, mais. Après, je comprends, il fait froid dehors, donc vous avez peut-être pas forcément envie de descendre. Ouais. Bon, alors, on a les arrêts les moins précis du monde. 29 mètres. Parfait. Vous avez gagné une médaille d'argent. Bon, ça va, on n'a pas gagné là, parce que franchement, là, j'aurais pas compris. Ça va, enfin bon, on doit pas être à grand chose de la médaille d'or. Je crois que c'est 20 000 peut-être la médaille d'or. Bon, c'est déjà ça. En vrai, ça va, on a plutôt géré. Incroyable. Eh ben écoutez, merci d'avoir suivi ce magnifique live sur Homsi à la base, puis comme ça arrêtait pas de planter, ça m'a saoulé. On est passé sur Train Sim World. La Train Sim World, la partie la plus longue du monde, je pense. Voilà. Eh ben écoutez, à une prochaine pour de nouvelles aventures. Je sais pas. On n'est pas à la cave, hein, donc il n'y a pas de planning. Mais si vous vous faites chier ce soir à 21 h, vous pouvez aller sur twitch.tv/lacavelive. Ça rate pas des gares, mais ça se prend le butoir, effectivement. Mais bon, sans grande conséquence, mis à part un petit tassement de dos pour la grand-mère de 92 ans dans la voiture 4. Oui, vendredi soir, Among Us sur le Club Colline. Incroyable. C'est vrai que c'est le seul truc qui est programmé. On pourrait même le mettre dans le programme tellement c'est le seul truc qui est programmé. Mais bref, déjà qu'on galère à avoir des jetons à chaque fois pour lancer le bordel. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Juste pour le lol, je vous remets le générique, mais c'est tout. Voilà, bonne nuit.